vivere di Cristo, a vivere in Cristo. Ed è invito valido, tuttora valido, anche oggi, valido soprattutto per i giovani di oggi, valido per tutti noi. Invito valido che ci ha lasciato Pier Giorgio Frassati. Pendant le temps pascal, à mesure que nous nous approchons de la Pentecôte, ces paroles deviennent toujours plus actuelles. Elles ont été prononcées dans le Cénacle par Jésus, la veille de la Passion. L'esprit de vérité que le monde ne voit pas et ne connaît pas se fait en revanche connaître des apôtres parce qu'il demeurera près d'eux et agira en nous. Et de cela, le jour de la Pentecôte, tous deviendront témoins. La Pentecôte, tuttavia, è solo l'inizio, poiché lo spirito di verità viene per rimanere con la Chiesa per sempre. Nell'incessante rinnovarsi delle generazioni future. E allora, non solo agli uomini del suo tempo, ma a tutti noi e ai nostri contemporanei, si rivolgono le parole dell'Apostolo Pietro. Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Pier Giorgio Frassati ha incarné dans sa vie ces paroles de Saint Pierre. La puissance de l'Esprit de vérité unie au Christ a fait de lui un témoin moderne de l'espérance qui jaillit de l'Évangile. La foi et la charité, véritable force motrice de son existence, le rendirent actif dans le milieu dans lequel il vécut, en famille et à l'école, à l'université et dans la société. Elles le transformèrent en apôtre du Christ joyeux et enthousiaste, en disciple passionné de son message et de sa charité. Certainly, at a superficial glance, Frassati's lifestyle, that of a modern young man who was full of life, does not present anything out of the ordinary. This, however, is the originality of his virtue, which invites us to reflect upon it and impels us to imitate it. In whom faith and daily events are harmoniously fused, that adherence to the Gospels is translated into loving care for the poor and the needy. Le goût du beau et de l'art, la passion pour le sport et pour la montagne, l'attention accordée pour les problèmes de la société, ne empêche pas des rapports constants avec l'absolu. Sa journée terrestre peut se définir ainsi, toute plongée dans le mystère de Dieu et en même temps toute dédiée au service constant du prochain. Vivió la vocación cristiana con alegría y orgullo y se afanó por amar a Jesús y descubrir en él a los hermanos que encontraba en el camino o que buscaba en los lugares del sufrimiento, de la marginación, del abandono, para hacerle sentir el calor de su solidaridad humana y el consuelo sobrenatural de la fe en Cristo. Murió joven, al final de una vida breve, pero extraordinaria de frutos espirituales, dirigiéndose a la verdadera patria a cantar alabanzas a Dios. La célébration d'aujourd'hui nous invite tous à accueillir le message que Pier Giorgio Frassati transmet aux hommes de notre temps. Surtout à vous, jeunes, désireux d'offrir une contribution concrète et un renouveau spirituel à notre monde qui semble parfois se diviser et languir à cause d'un manque d'idéaux. Il répète qu'il vaut vraiment la peine de tout sacrifier pour servir le Seigneur. Il témoigne que la sainteté est possible pour tous et que seule la révolution de la charité peut allumer dans le cœur des hommes l'espérance d'un futur meilleur. Egli se n'est andato giovane da questo mondo. But he made a mark upon our entire century, and not only our century. Il s'en est allé de ce monde, mais dans la puissance pascale de son baptême. Puede decir a todos, y en particular a las jóvenes generaciones de hoy y de mañana. Voi mi vedrete, perché io vivo, e voi vivrete. Vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Vosotros me veréis, y viviréis, porque yo sigo vivo. You will see me, because I live, and you will live.